Kings. Bonjour à tous, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui sur GTA V. Donc désolé, je peux pas parler trop fort, c'est parce que je suis un peu malade. Donc j'espère, vous serez contents pour une fois, je vais pas trop gueuler, voilà. Attendez, on va juste mettre la radio. Je voulais mettre la radio en off, bordel de merde, quoi. Non mais mec, les radios de Los Santos, c'est du n'importe quoi, je te jure. Laisse tomber, quoi. Bullette. Non, celle-là, je l'aime bien. On va prendre celle-là. On va la prendre en couleur rouge, comme le rouge pistache. J'aime bien le rouge pistache. Tu connais pas le rouge pistache? C'est du rouge et tu mets de la pistache dessus, ça fait du rouge pistache. Bien, ouais, je confirme. C'est parti, ma gueule. On a qui en face? On peut pas voir mes ennemis en face, là? Continuez. Ah, voilà. On a Tatouf, Métouf. Alors, ils sont blasés, il est mortel. M. White et moi. T'as vu, c'est une course à 3, t'as vu. Un contre un. Non, voilà, tranquillement. Attendez, est-ce qu'on est tous prêts? Genre, moi, prêt? Je m'étais mis pas prêt à jouer alors que je suis prêt. C'est bizarre, hein. Course Aurora Freeway, d'accord, pourquoi pas, écoute. Je sais que beaucoup de mes abonnés aiment bien les courses. Enfin, j'ai reçu quand même des retours. Donc, ça me fait plaisir de vous en faire. Là, en plus, on est que 3. Du coup, il y a peut-être une chance que je finisse pas dernier. Eh, les gars, déjà, je finis pas dernier, je finis deuxième. Bon, là, je finis dernier, d'accord. Ça va pas durer longtemps, mais quand même, hein. Eh, mais c'est quoi cette bagnole, s'il te plaît? Elle va pas vite du tout. Mais c'est du foutage de gueule. Est-ce qu'elle l'aide au dernier, normalement? Normalement, il y est. Normalement. Je dis bien, normalement. Putain, à peine commencé, je finis dernier, quoi. Non, mais en fait, ma bagnole, elle est pourrite. Moi, je pensais que j'avais pris une bagnole de course de ouf, tu vois. Eh ben non. J'ai pris une bagnole complètement pourrie. Oh, putain, fallait aller à la droite, mec. Putain, mais mec, mais bordel. Putain, mais c'était pas... Non, mais vas-y. Non, mais mec, putain, mais c'est casse-couille. Oh là là, mais il y a que moi qui m'arrive des malédictions comme ça, c'est pas possible. Non, mais mec, mais c'est du n'importe quoi, s'il te plaît. Ces emmerdes, ça me tombe toujours sur la gueule, tu vois. C'est chiant, quoi. Faut toujours que je loupe un point jaune. D'ailleurs, des abonnés regardent mes vidéos que pour ça, que parce que je les loupe. Ah, les enfoirés. Non mais ça va, c'est bon, je commence un peu, regarde là mon niveau, t'as vu, là pour l'instant tout va bien, tu vois. Enfin tout va bien, non, tout va mal. Vu que je suis un petit peu dernier, donc voilà quoi, c'est pas le, on va dire que c'est pas une fierté quoi. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase quoi. Les gars, proposez-moi des nouveaux défis pour les prochains défis. Ouais, ça se dit comme ça, c'est bien. Proposez-moi des défis, n'hésitez pas. Alors, la plupart des commentaires que je fais... Parce que justement, en ce moment, je suis en train de me questionner si je veux pas un peu changer le commentary. C'est-à-dire, quand je dis changer, c'est-à-dire un peu parler moins fort, putain de merde. Parce que souvent, très souvent, moi, ça me dérange pas, en fait. J'ai l'habitude des commentaries qui gueulent. Parce que je suis beaucoup de youtubeurs qui, quand ils parlent, ils gueulent, tu vois. Du coup, surtout les Américains. Je suis quelques youtubeurs américains et je peux vous assurer que eux, quand ils gueulent beaucoup. C'est leur façon de s'exprimer. Et franchement, je vous avoue bien que c'est vraiment de eux que je me suis pris quoi, enfin que j'ai commencé pas à copier sur eux mais disons ça a été un petit peu mes exemples quoi. Après je suis que quelques youtubeurs américains, j'en suis pas trop là. Je vous propose qu'on se fasse juste deux courses les gars. Donc on se fait celle-là, après on se fait une autre. Je vais peut-être même faire une coupure l'histoire que ce soit pas trop chiant pour vous. Donc je verrai comment ça se passe à mon avis, je ferai un truc comme ça. Mais bon après voilà quoi, les commentaires, c'est vrai qu'il y en a, en général ils ont plus des commentaires posés, mais le problème c'est quoi les gars? Pour moi, de mon avis, on retrouve beaucoup trop les mêmes commentaires sur YouTube, je vous jure c'est incroyable. Et c'est un truc de voulage que je vous propose. Donc là on va juste voir si j'ai un petit peu, allez niveau 13, non? Niveau 12 toujours? D'accord, bande de fascistes, ils veulent pas me passer faire niveau 13, oh il a gagné, monsieur White il sent plus là. Là c'est bon là, monsieur il a gagné, monsieur il croit que c'est la fête de la jungle et tout ça. Ok. Ouais, d'accord, je suis bel et bien troisième, c'est sympa de me le rappeler bande d'enfoirés. Putain le premier il est 243. Mais moi le jour où je serai déjà niveau 20, je vais être content, imagine 243 mon frère. Bon les gars, je vais faire une petite coupure, on se retrouve tout de suite directement pour la prochaine course. Recoucou les amis, donc nous revoilà, tout de suite. Ah ouais non, ah oui je prends une moto direct. Je vais prendre en couleur comme ça et on va mettre haut les mains. Confirmé. Continuer. Voilà. Donc là, il y a Ngajal qui nous a rejoint. Je la connaissais pas. Enchantée, petite femme. T'es célibataire. Moi, je t'aime bien faire du sexe. Et après, il y a, tout simplement,
Envers 825 et Monsieur White. Donc voilà, on est quand même pas mal. Donc ça fait plaisir. Donc nous, on va mettre prêt à jouer. L'histoire d'être prêt à jouer. Donc ce que je vous disais juste avant, c'est que, bah justement, aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Donc le commentary est, on va dire, plus calme. Attention, je vais m'amuser moi aussi. Donc le mot. Oh ouais, d'accord, c'est un truc tout terrain et tout en fait. Putain, je vais galérer, les gars. Comment ça craint? Oh oui, je suis premier, la famille. Déjà, ça commence bien, je suis premier sur 4. Si je pouvais finir premier durant toute la game, je vous jure, je serais bien content, moi. Monsieur White, genre, il passe devant, au calme. D'accord, Monsieur White, je veux dire, tout va bien, il n'y a pas de souci. Je ne vois pas d'inconvénient. Non, mais mec, ouais, si, c'est bon, okay. Je pensais qu'il y avait un souci quelque part. Allez, ma poule! Oui, le bosso! Non, mais mec, mais putain, mais qu'est-ce que tu fous devant moi, toi, petit con, va? Non, mais gros! Sérieusement, frère! Y'a plus de respect dans cette planète! N'empêche, je suis pas dernier, hein, je suis deuxième. Ils sont sincères, là. Non, je veux dire, ils veulent me faire plaisir, là, eux. Là, ça sent qu'ils ont du plaisir à redonner entre eux. J'espère juste qu'il va bien se prendre un ours polaire, le mec, devant, là. L'histoire comme ça, moi, je reviens direct après, t'as vu. Mec, s'il te plaît. Putain, mais les gars... Mais c'est du n'importe quoi. À chaque fois que je fais des courses, je perds. I am a big loser, c'est ça? Eh ben oui. I am a big loser. I confirm it, you confirm it, quoi. La plage, la piscine, tout ça. Enfin non, c'était la piscine. C'est beau, quoi. C'est tout terrain, c'est joli. Ah oui, ah oui, je... Connard. Fuck you, man. Fuck you, bitch. Fuck you, mavo. Non, pas les mères, pas les mamans. Hop, allez, on va aller te chercher. Viens là, bébé. Oui, il veut te rattraper. Je suis un fou, moi. Je vais dans la mer, m'en bats les couilles. Oh non, il est en train de me rattraper, l'autre con derrière, là. Putain, faut se dépêcher, faut speed. Je veux bien finir deuxième, ça m'arrange. Mais quatrième, non merci. Deuxième, oui. Mais quatrième, j'ai dit non merci. En plus, l'autre, il est en moto derrière moi, donc s'il me dépasse, ça va être moto versus moto, tu vois. Oh oui, oh oui, c'est bon, je commence à rattraper la suite. Ah, mais lui... Je te jure, j'ai vraiment envie qu'il se prenne un truc dans la gueule, quoi, tu vois. Ah, lui, il se prend un truc, c'est mon gros kiff. Hein. Oh non, la course, elle est déjà finie. Mec, attends-moi, baby. Baby. Ok, bon, bah, tant pis, hein. On va finir deuxième. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, attention. Eh oui, baby. Yes, papa. Troisième. Bon, le quatrième. À mon avis, ça doit pas être très intéressant, tu vois, de le regarder. Oh, putain. Donc dites-moi si ce commentaire là vous a bien plu. C'est un commentaire, on va dire, plus posé que d'habitude. Bah oui, mais t'es teubé aussi, toi, t'es dernier. Bah oui, il espère qu'il va peut-être revenir premier. Mais c'est bien d'avoir de l'espérance, c'est important. Ah, bah enfin. Hein. Mademoiselle arrive enfin premier. Arrive enfin dernier. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Je suis deuxième. Ton papa, il est deuxième avec ta maman. Ils se sont couplés, ils ont fait un bébé. Ils l'ont appelé Shrek. En plus, c'est vrai, franchement, il y a des naissances, il y a des enfants qui naissent. Il y a des parents, ils donnent des prénoms bizarres aux enfants. Heureusement que l'État interdit certains prénoms. Sinon, on aurait des Titeuf, des Winnie l'ourson, des tout ça, quoi. On aurait même des Tupac, tu vois. Donc voilà, les amis, j'espère que cette petite vidéo sur GTA 5 vous aura bien plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut tout le monde. Peace!